Disons que Ousmane Sonko s'est enrichi illicitement. Il a des immeubles euh, ici à Dakar. Il a également des villas à Sali. Il a des biens à Gigenshore, ainsi de suite. Mais vous savez, le problème, c'est quoi Il utilise des subterfuges et des techniques illégales comme le prête-nom pour dissimuler ses biens mal acquis. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons, nous exigeons une enquête de la division des investigations criminelles sur les biens supposés appartenir aux proches-parents de Sonko, aux amis de Sonko, etc., etc. Il a volé des milliards quand il était inspecteur des impôts et domaines au niveau de la division de direction générale des impôts et domaines du Sénégal. Sonko, il vend son caractère. Moral, sa probité, mais nous détenons des preuves que Sonko a un problème d'immoralité extrêmement grave, qu'il a amené des gens en France, qu'il a amené des gens en France sur la base des choses peu honorables qu'il a effectivement faites sur ces ces gens-là. Je dis bien aucun leader de Benoboko Yakar, parmi tous les leaders des sous-coalitions qui composent Benoboko Yakar, ne prêtent attention à Ousmane Sonko. Donc c'est à nous, les jeunes cadres, effectivement, de solder à Sonko ses comptes. C'est nous qui allons le retrouver sur son propre terrain, le coller à la culotte et le mettre hors d'état de nuire. C'est ça, c'est notre rôle. Nous sommes dans l'accomplissement de notre mission en tant que jeune acteur politique, membre de Benno Bokoyakar, mais en tant qu'également jeune cadre politique au même titre que Sonko. Dans le département de Kaulag, Andofan, Aopau, et Agnoro, moi j'ai vu des gens qui achètent des signatures pour Sonko. Je le dis ici devant le peuple sénégalais. À 10 000 francs la signature. Et maintenant il faut demander combien il va payer pour l'affiche. <music>